Les funérailles de l'avocat et activiste pro-démocratie Toulani Maseko ont eu lieu dimanche chez lui à Bounia, dans l'ouest de l'Eswatini. De nombreux militants accusent le pouvoir swazi d'être à l'origine de la mort de cette figure emblématique de la contestation contre la monarchie absolue du roi Swati III. C'est maintenant à nous de faire en sorte que la liberté pour laquelle le camarade Toulani s'est battu et mort soit une réalité de notre vivant. Ensuite, pour que la lutte que nous menons continue, il faudra que les hommes et les femmes fassent des sacrifices. Nous devrons peut-être sacrifier nos vies, nos professions et tout ce que nous avons. La mort de Toulani Maseko, pour nous, le Swayoko, le congrès des jeunes du Swaziland, est un objet tranchant pour nos cœurs, car Toulani Maseko est la personne qui nous a introduits au mouvement Swayoko. Il est la personne qui nous a fait découvrir la lutte swazi. La communauté internationale et toutes les personnes concernées doivent faire pression sur le roi Swati III. Depuis 2021, un vent de manifestations parcourt le petit pays d'Afrique australe, dernière monarchie absolue du continent. En plus des militants, l'ONU et Amnesty International ont appelé à la tenue d'une enquête indépendante.